Tout le temps. En fait, on l'a adoptée. Elle vit chez nous. Bon, allez, vas-y, on reprend. Allez, vas-y, tu commences et... Donc, en 2019, on s'est mariés en octobre 2019. Donc, forcément, on a cherché un photographe. On a désélectionné trois sur Strasbourg, dont Véronica. Donc, ça s'est passé comment? Véronica nous a fait venir à son studio, à Bar, où elle nous a montré son travail. Et puis, on lui a expliqué tout notre projet, qui était un petit peu, peut-être un petit peu particulier par rapport à d'autres mariages. Mais c'est vrai que ce qu'on a aimé chez elle, c'était que... tout de suite, elle s'est montrée très à l'écoute de notre projet et elle s'est montrée forte de propositions par rapport à peut-être à des, comment dire, à des solutions qu'on cherchait, en tout cas par rapport à au photographe et notre projet. Et donc, c'est vrai que ça nous a tout de suite bien plu dans sa personnalité. Voilà, elle était joyeuse et son travail nous plaisait particulièrement. On s'est laissé un peu de temps de réfléchir et choisir, mais c'est vrai que notre coup de cœur sur tout ce qui était travail et surtout sur la personne, c'était un choix unanime, c'était Véronica. Je pense que son enthousiasme a fait que on a vraiment eu envie de travailler avec elle. Après, sa technique aussi, hein. On parlait justement de son savoir-faire. Voilà, tu cherchais aussi quelqu'un qui puisse maîtriser les photos de nuit, hein, si mes souvenirs sont bons. Ça a vraiment fait la différence, malgré les deux photographes qu'on avait pu rencontrer auparavant. Et elle s'est vraiment détachée du lot par rapport à ce qu'on cherchait vraiment. Et voilà, ça s'est fait au feeling. Et on a eu un très très bon ressenti et pour le coup on était vraiment ravis. Parce que pour nous ce qui comptait c'était déjà la personnalité du photographe, puisque le photographe partait quand même avec nous quelques jours. Donc on savait qu'on allait passer beaucoup de temps avec elle, en tout cas avec le photographe qu'on allait choisir. Et puis surtout aussi la technique, on cherchait quelqu'un de technique et qui faisait globalement de belles choses. Donc c'est vrai que tout ça, ça nous a particulièrement plu et donc Véronica est partie avec nous à l'île Maurice où on a fait notre mariage civil. Donc elle est partie avec nous plusieurs jours, plusieurs fois, donc autant dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Ça a été très agréable parce qu'on a beaucoup rigolé et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours les bonnes idées, voilà. Quel que soit l'endroit, elle maîtrise la lumière, elle va savoir vous dire où vous mettre, comment poser, parce qu'on était un peu inquiet là-dessus finalement, si on n'est pas des pros de la photo, et ben ça s'est très bien passé parce qu'elle nous a mis à l'aise et puis ça s'est fait dans la bonne humeur. C'est vrai, elle sait prendre les choses en main. Parce que quand il y a des choses à changer, à améliorer, n'hésite pas à y aller. On pourra avoir la photo parfaite. On est devant et puis elle a quand même fait déplacer trois fois l'arche pour que la photo soit parfaite. Donc c'est vrai qu'à force d'abnégation, elle a eu ce qu'elle voulait. Et puis c'est vrai que le résultat, il était là. Donc elle nous a accompagnés pendant tout notre séjour à Maurice. Elle nous a fait la séance Day After à l'hôtel, voilà. Donc aujourd'hui elle nous remet les albums, donc on est vraiment super content du résultat. Et ça s'est pas arrêté là parce que Véronica nous a aussi accompagné dans notre deuxième mariage à Strasbourg, un peu plus solennel à l'église, mais là c'est pareil, le point positif chez Véronica c'est que vraiment, quel que soit l'endroit, hein, je peux dire, en fait elle est toujours de bonne humeur et voilà, toujours avec sa bonne humeur et toujours avec ses idées pour faire une photo, une belle photo. Vraiment, on ne peut pas dire autre chose, mais elle maîtrise parfaitement la lumière, les poses. Donc elle nous a accompagnés encore une fois sur ce mariage-là. Et là aussi, elle nous a rendu la bonne aujourd'hui. Donc la qualité, enfin, on est vraiment ravis du résultat. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on a adopté le cas. Et on vous la recommande.